Intervistiamo Sabadot del nuovo partito anticapitalista francese, che su alcune questioni centrali che riteniamo soprattutto adesso si discuterà molto di Europa. La prima domanda è: quali sono i principali attacchi che subiscono i lavoratori in Francia e quali sono le reazioni di fronte a fronte delle politiche di austerità? Capito. Non, le gouvernement Hollande est peut-être un des gouvernements les plus à droite qu'ait connu la social-démocratie en France depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis la fin des années 40. C'est un gouvernement qui s'inscrit dans le cadre des politiques de l'Union européenne, hein, de la Troïka, du FMI, et qui est une politique au service du capital financier, des marchés financiers, avec une pression austéritaire toujours plus forte sur les classes populaires. Donc avec plus de lutte contre le déficit, donc plus de pression budgétaire, plus de destruction du service public, et en même temps plus d'aide au patronat, avec des exonérations de cotisations sociales, avec des politiques d'aide directe, soi-disant à l'investissement, sans contrepartie, etc. Et ce gouvernement-là vient maintenant de faire un pas supplémentaire dans cette direction-là, qui est un tournant plus important, avec ce qu'on appelle le pacte de compétitivité. Le pacte de compétitivité, c'est de fait un accord politique du gouvernement avec le patronat, avec des aides substantielles en termes d'exonération de cotisations sociales, de destruction d'une partie de la sécurité sociale, avec le fait que les allocations familiales ne seront plus gérées par la sécurité sociale, elles seront gérées par le budget, et surtout et une politique de réduction, de restriction budgétaire. Bref, on a là aujourd'hui nouvelle configuration d'un gouvernement qui apparaît de plus en plus comme un gouvernement Parti Socialiste MEDEF. C'est le gouvernement PS-MEDEF. C'est le Premier ministre, c'est Gattaz, le patron des patrons, hein, aujourd'hui. Donc on a cette situation-là où on a une politique au service des marchés financiers et des marchés financiers qui pressent toujours plus et en même temps dans la compétition européenne et internationale, le fait que ce gouvernement avec le patronat se sert de la crise pour remettre en cause une série d'acquis sociaux, une série de droits qui avaient été obtenus par les travailleurs. Donc l'attaque est une attaque majeure, une attaque d'envergure, une attaque centrale. Et malheureusement, il n'y a pas, face à cette attaque, une réaction populaire, une réaction ouvrière à la hauteur. Il peut y avoir des luttes ici ou là, il peut y avoir des journées d'action dans la fonction publique, bon. Mais il n'y a pas de construction d'un rapport de force à la hauteur des attaques. Donc on a une gauche qui va de plus en plus à droite, qui sert de plus en plus les patrons. On a des classes populaires et un mouvement ouvrier qui est tétanisé par la crise, des appareils syndicaux dont certains sont complètement intégrés dans le dispositif gouvernemental, la CFDT par exemple, qui soutient ce pacte de compétitivité, et les autres qui pensent, notamment la direction de la CGT ou de Force ouvrière, qui pensent le problème en termes de contrepartie. C'est-à-dire, Hollande, le gouvernement va aider les patrons, il faut qu'en même temps, il y ait une aide pour les travailleurs. On sait très bien que ce n'est pas parce qu'on donne des exonérations de cotisations sociales aux patrons qu'on a des aides pour les travailleurs. Et la politique des patrons n'a pas changé depuis Helmut Schmidt. C'est face à l'illusion comme quoi les profits d'aujourd'hui
font l'investissement de demain et les emplois d'après-demain. En fait, les profits d'aujourd'hui font les profits de demain et font les profits d'après-demain. Bon, voilà. Et dans cette situation, c'est ça qui est terrible, c'est que comme le gouvernement va à droite, les mouvements sociaux, le mouvement ouvrier est affaibli, en position dégradée, ceux qui sont à l'offensive, c'est la droite et l'extrême droite. Et la droite et l'extrême droite de manière importante. D'abord, sur le plan électoral, on va voir, on est avant les résultats des municipales et des européennes, mais il est prévisible qu'il y ait une poussée de la droite et de l'extrême droite, peut-être de l'extrême droite encore plus aux européennes, hein, et on a une mobilisation de la droite ultra, l'espèce de Tea Party à la française, avec autour du mariage pour tous, hein, et maintenant d'autres terrains comme le droit à l'avortement, et les mobilisations sociopolitiques de secteurs de la droite et de l'extrême droite. Et même l'apparition d'une manifestation d'un secteur qui a manifesté autour d'un thème qui était la journée de la colère, hein, la journée de la colère, qui était des organisations, des groupes là directement fascistes, hein, des groupes qui... disons, on s'attaque au mouvement ouvrier, s'attaque aux homosexuels, aux musulmans, aux juifs, etc. Donc voilà, donc on a cette situation-là, qui est une situation, comme tu le vois, assez compliquée. Et appunto, di fronte a questa situazione, anche con la crescita dell'estrema destra in Francia, qual è il dibattito a sinistra sull'Europa? Ci sono anche posizioni nazionaliste di sinistra, in Italia stanno anche prendendo piede. Allora, se on veut le débat, il y a un débat, c'est-à-dire que il y a des positions nationalistes dans l'extrême droite, c'est clair. Bon, il y a des positions nationalistes dans la gauche, on peut avoir certaines positions de Mélenchon, de la direction du parti de gauche qui dénonce l'Allemagne, qui dénonce les États-Unis, qui défend la France contre l'Allemagne, des choses comme ça. Mais globalement, c'est pas ce qui domine la situation politique sur la question européenne. D'abord, la bourgeoisie française a fait le choix de la globalisation capitaliste. Il n'y a pas de secteur bourgeois aujourd'hui qui choisisse l'option nationaliste ou l'option protectionniste. Bon, ça, c'est les principaux secteurs. Et ça s'appelle sur tout le monde, sur l'extrême droite. L'extrême droite, ils sont pour la sortie de l'euro, mais ils mettent Marine Le Pen... dit qu'elle est pour, mais qu'il faut négocier, qu'il faut voir, etc. etc. Bon, à gauche, il peut y avoir des positions ici ou là pour la sortie de l'euro, mais c'est très minoritaire. Ce qui va dominer, c'est le fait qu'il y a un tel sentiment qu'il y a un lien entre les politiques d'austérité du gouvernement et les politiques d'austérité européennes, c'est qu'il va y avoir, en gros, dans la gauche, deux lignes, une ligne qui défend l'Union européenne, qui défend la politique du Parti socialiste, et en face, une réaction, disons, contre les politiques d'austérité en France et dans l'Union européenne. Et dans la gauche radicale, il y a toujours les débats classiques avec le Parti de la gauche européenne. Voilà, nous sommes pour la rupture avec l'Union européenne, avec les traités, dans une logique de confrontation, avec une perspective d'assemblée constituante qui rompt avec l'Union européenne. Le Parti communiste est sur une logique de refondation de l'Union européenne, donc de réforme, d'aménagement. Le Parti de gauche a une politique qui est celle du Parti de gauche européen, donc plutôt la refondation, et en même temps, quelquefois, ils ont des pulsions sur le thème, par exemple, un euro, euro-méditerranée, voilà, des choses comme ça, tu vois. Bon, mais globalement, du point de vue grand public, que ça soit lutte ouvrière, que ça soit le Front de gauche, que ça soit nous, ça va être contre les politiques d'austérité gouvernementale de l'Union européenne. C'est pour ça que nous avons fait une proposition qui est que tous, de lutte ouvrière au Front de gauche, sur une base anti-austérité, sur une base internationaliste et pas nationaliste, que là-dessus, s'il y a un accord, on puisse avancer. Bon, maintenant, il y a pas mal il y a beaucoup de difficultés, d'intérêts, d'appareils différents sur ces questions-là. En tout cas, nous, sur le plan électoral, c'est compliqué. Sur le plan de l'unité, on a fait une proposition avec Olivier Besancenot, qui était une proposition de week-end
électorat de week-end, de révolte de la gauche face à la droite, à l'extrême droite et au gouvernement, et à la politique d'austérité du gouvernement, un week-end de révolte de gauche, et on s'est adressé à l'ensemble de tous ceux qui ne soutiennent pas le gouvernement, hein, pour construire une opposition de gauche. Et là, pour cette manifestation, visiblement, le parti de gauche Mélenchon et le parti communiste ont répondu positivement. Donc on va sûrement avancer vers une grande manifestation le 12 ou 13 avril à Paris. Con questa manifestazione aprirete anche un po' le vostre campagne e con anche una ricerca appunto di unità, di un fronte anche unico delle sinistre, delle sinistre appunto. Puoi specificare meglio quali sono anche i vostri rapporti con il fronte gauche, anche rispetto poi alla tornata elettorale e alle elezioni europee? No, assolutamente. Le problème, c'est que on a une situation un peu particulière en France. C'est que le gouvernement Hollande a été tellement à droite, que pour le Parti communiste et le Parti de gauche, ils n'ont pas participé ou soutenu le gouvernement, avec des positions différentes, puisque le Parti communiste, lui, se bat pour une réorientation de la majorité, et le Parti de gauche est pour l'opposition de gauche. Il y a des positions communes aujourd'hui entre le NPA et le Parti de gauche sur l'attitude vis-à-vis du gouvernement. Voilà. Donc, nous, notre politique vis-à-vis de la situation politique actuelle, c'est construire une opposition de gauche à la politique du gouvernement. C'est ça. Construire une opposition de gauche. Et pour nous, construire une opposition de gauche, c'est construire une opposition qui soutient les luttes, une opposition qui est indépendante vis-à-vis du Parti socialiste dans les élections. Et c'est une opposition de gauche qui défend un programme de rupture avec l'austérité capitaliste. Alors, bien entendu, il y a un débat dans la gauche, parce que le parti de gauche est pour l'opposition de gauche, mais on voit souvent on a des problèmes avec eux. Par exemple, quand il y a eu la mobilisation la révolte populaire en Bretagne, des travailleurs bretons, ils ont pris position contre cette révolte populaire en Bretagne. Nous, on les a soutenus. Donc des problèmes. Sur les interventions françaises en Afrique, nous sommes contre les interventions françaises en Afrique. Mélenchon soutient l'intervention française en Centrafrique. Donc on voit qu'il y a des problèmes. Quant au Parti communiste, le Parti communiste va dans plus de la moitié des principales villes du pays pour les élections municipales et sur des listes communes dès le premier tour avec le Parti socialiste. Donc on voit que, bon, tout en ne soutenant pas et en ne participant pas à la majorité gouvernementale, ils sont quand même dans une alliance avec le parti socialiste. Pour le parti de Mélenchon, ça dépend de certaines villes. Au premier tour, il n'y a pas d'accord. Mais au deuxième tour, il peut y avoir des accords, ils peuvent être dans certaines villes, dans des exécutifs. Bon. Nous, on a une politique d'indépendance. Hein. Et en général, au premier et au deuxième tour, c'est-à-dire au premier tour, on est indépendant, et au deuxième tour, on dit que, de toute façon, nous, on ne sera pas dans les exécutifs. Il y a une tactique qui est laissée dans les villes, parce que c'est compliqué dans une petite ville, etc., mais on ne sera pas dans les exécutifs, voilà, si tu veux. Donc, voilà notre conception aujourd'hui, donc d'essayer de créer les conditions pour une convergence, pour une opposition de gauche face au gouvernement. Et on pense que c'est très important d'avoir cette opposition de gauche dans les mois qui viennent, parce que ce qu'il y a pour le moment, c'est une opposition de droite. Et l'opposition de droite et d'extrême droite. Et s'il y a seulement l'opposition de droite et extrême droite, et il n'y a pas une opposition de gauche, la situation politique va continuer son évolution à droite. Et là, il faut qu'on bloque ce processus-là, parce qu'il y a des éléments de décomposition, maintenant, sociale-politique en France. Hein, avec notamment les groupes fascistes, l'idéologie fasciste qui peut exister ici ou là, c'est pas, il y a un mauvais climat hein, aujourd'hui en France. Hein. Pas seulement un mauvais climat, une situation lourde. Perfetto. Io direi che possiamo